Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, comme je vous l'avais promis en début d'année, l'évolution de mon setup sur 2020, qui a quand même bigrement changé. Alors, j'ai attendu un petit moment, pour la bonne et simple raison que je savais qu'il allait y avoir des changements assez majeurs pendant l'année, et que ça m'aurait fait chier de sortir une vidéo pour devoir, 2 mois plus tard, en faire une autre pour dire qu'il y a eu des changements. Donc là, il y a quand même eu 95% des changements qui ont eu lieu. D'ici la fin de l'année, il y a encore un changement, on va dire majeur, allez, on va dire intermédiaire, parce qu'il n'est pas majeur, qui doit arriver, et puis normalement il doit arriver dans les mois qui viennent, mais j'ai pas la patience d'attendre. Tout est en place, vous allez voir qu'il y a quelques jours de ça, il y a eu une gigantesque évolution, et j'attendais qu'elle se passe pour pouvoir faire cette vidéo et vous présenter un petit peu le résultat, et je dois avouer que je suis pas mécontent. Premier changement et non des moindres, vous l'avez devant vous, mon visage, vos yeux, la caméra a changé. J'en avais déjà un petit peu parlé précédemment. Fini les webcams, même les Logitech 12 212, ce que vous voulez, rien ne remplace, alors soit un réflexe, soit un caméscope, mais rien ne remplace ces joujoux-là. Bah oui, ils coûtent aussi un petit peu plus cher, et c'est une autre qualité, et ça se sent. Et il se trouve que j'avais depuis longtemps maintenant un caméscope, un Sony si j'ai bon souvenir, je vais pas me pencher pour checker, mais un Sony ou un Samsung, peu importe, que j'avais dans un coin et que j'utilisais quand il fallait que je filme en dehors du setup, etc. Et ça me faisait chier de ne pas pouvoir l'utiliser comme webcam. Et je suis allé dans mon magasin préféré il n'y a pas longtemps, et en fait je voulais changer de webcam, j'en voulais une autre, je voulais mettre le prix et avoir enfin une image plutôt pas dégueulasse. Et juste à côté des webcams, je vois ceci. Voilà, alors ça coûte 130 €, donc le prix d'une, entre guillemets, webcam pas dégueulasse. J'ai eu quelques doutes, je me suis dit bon, après tout, si ça marche pas, tu la ramènes et puis voilà, tu prends autre chose, tout simplement. Je l'ai branché sur l'ordinateur, j'ai mis le caméscope dedans, et l'ordinateur a compris tout seul qu'il s'agissait d'une webcam, et il y a une putain de qualité. Alors putain de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire waouh, ouais, l'image elle est absolument incroyable. C'est surtout que les webcams ont des images dégueulasses. En fait, c'est à l'inverse. Voilà. Il y a des images bien plus belles que la mienne. Par contre, en termes de webcam, tu peux toujours courir. C'est-à-dire que là, présentement, le rendu que j'ai là actuellement, la luminosité, tout ça, c'est sans luminosité extérieure particulière. J'avais des softbox qui était obligatoire quand j'utilisais une webcam pour essayer d'avoir un rendu pas trop dégueulasse. Et ben là, j'ai rien. C'est-à-dire que c'est le capteur du caméscope tout seul qui fait les réglages, la luminosité, voilà, qui récupère tout. Là, je mate ma propre image, franchement, pour un truc qui est tourné avec juste la lumière du plafonnier, une lampe de bureau et la fenêtre est fermée. Ah, on a un peu l'impression que j'y vais à fond au niveau éclairage extérieur, et j'avais besoin de cette liberté parce qu'en fait, vous savez certainement, si vous suivez un petit peu, que j'ai eu récemment des problèmes aux yeux et que je supporte maintenant très très mal les luminosités trop agressives. Et du coup, avoir des softbox autour de moi, voilà, c'est plus possible. Je tiens pas longtemps, ça me fatigue les yeux beaucoup beaucoup trop vite. Et être plongé dans le noir, bah avec une webcam, c'est même pas la peine. On vous voit en ombre chinoise, quoi. Au final, bah, super compromis. Je peux avoir une qualité sympathique sans avoir à m'aveugler avec des softbox dans la gueule. Ou pire encore, vous savez, ces espèces de rampes à LED blanches de forme ronde que la plupart des streamers se mettent sur la gueule pour avoir les visages bien éclairés. Moyen à pas avoir ça, et moyen à avoir ce rendu-là. J'ai un peu trituré les règles, les réglettes gamma, luminosité, contraste, pour obtenir quelque chose qui, ma foi, me dégoûtait pas trop. Et on est parti pour. J'ai simplement recyclé un pied
d'écran. C'est un peu particulier en fait. C'est, je sais pas si vous voyez, ces espèces d'écrans tout en un, hyper lourds, qui sont montés sur des trépieds avec un énorme ressort pour les maintenir en place. Bah, une fois que vous avez viré l'écran parce que l'écran marchait plus, je l'ai récupéré chez un client, vous récupérez un pied assez grand, assez lourd, assez costaud, assez stable. Et en fait, je l'ai utilisé et j'ai monté dessus un support pour fixer le caméscope pour qu'il reste là en permanence. J'ai enlevé sa batterie pour pas que la batterie passe son temps à se décharger et se recharger. Il est branché sur secteur. Et en fait, il y a une sortie HDMI qui finit en mini HDMI et ça rentre dans l'espèce de clé USB que j'ai acheté là à 130€. Ça passe dans l'ordinateur, c'est une webcam. Après ce premier changement de folie, changement encore plus de folie, vous savez également certainement que j'ai eu pendant assez longtemps des problèmes de carte graphique. Sans parvenir vraiment à identifier d'où ça venait, qu'est-ce que c'était, j'ai essayé de downcloquer, j'ai essayé d'alléger l'ordinateur au possible en espérant trouver quelque chose qui fasse que je n'ai plus ces espèces d'écran noir à la con. Eh ben, il y a 15 jours, 15 jours, 3 semaines en fait, après un léger test, absolument pas prévu, sur absolument autre chose, j'ai trouvé les Asus Republic of Gamer 20, les ROG G20, en fait leur alimentation, ou du moins la série sur laquelle moi je suis tombé, l'alimentation qui est fournie est insuffisante pour alimenter l'intégralité de ce qu'il y a dedans. En conséquence de quoi, et ben, si vous êtes un petit peu gourmand, votre carte graphique arrête de fonctionner tout simplement parce qu'elle n'a pas assez de jus. C'est pas une surtension, c'est une sous-tension. Il n'y a pas assez de jus. J'ai changé de carte graphique fin d'année dernière, si j'ai bon souvenir. Je pensais que ça résoudrait le problème, et en fait, je me suis rendu compte que la vieille carte graphique que j'avais, qui était une GTX 960, qui est sur un ordinateur secondaire maintenant, elle, je peux lui brancher 5 écrans dessus, en 144 Hz, en 2560 par 1440, elle tient. Et ma nouvelle carte graphique, je mets deux écrans, il y en a un en 144, et l'autre, il ne peut pas atteindre 144. Elle n'avait pas assez de jus. Et là, c'est l'effet domino ou l'effet boule de neige. Elle n'avait pas assez de jus, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la lime. Mais sur ces modèles hyper compacts et hyper design, mais hyper compacts, eh ben, la lime, elle est conçue pour aller avec la carte mère. Et la carte mère, elle a une gueule un peu bizarre. Elle a une gueule pour rentrer pile poil dans ce package. Donc si vous voulez changer la lime, eh ben, il va falloir changer la carte mère. Et tant qu'à changer la carte mère, puisqu'il faut changer la carte mère, eh bien, autant prendre un boîtier digne de ce nom et pas extrêmement plat et où tout est extrêmement l'un sur l'autre. Je vous promets que le G20, l'Asus G20, oh putain sa mère pour arriver à toucher un composant. Quand vous l'ouvrez, tout est rentré au millimètre les uns sur les autres. De ma vie, je l'ai acheté en 2016 je crois, de ma vie je n'ai jamais réussi à atteindre les cartes mémoire. Il y avait deux emplacements de cartes mémoire, un libre et un plein. Et je n'ai jamais pu remplir celui qui était vide. Parce que pour y aller, il fallait démonter le système de refroidissement, qui était vraiment au-dessus. Et pour démonter le système de refroidissement, il fallait choper des vis qui, humainement parlant, étaient inaccessibles. Peut-être que E.T. avec un tournevis très tordu, il serait arrivé. Moi, je ne pouvais pas dévisser le ventirade. Donc là, on l'a dévissé à pied de biche, je vous le cache pas. Mais on l'a dévissé, c'est la première fois que j'ai touché à cette barrette mémoire. Et quand vous regardez la barrette mémoire, c'est des barrettes mémoire de portable. Pas des grosses barrettes mémoire, des barrettes mémoire de portable. Donc j'étais limité à 8 gigas, impossible à atteindre avec le doigt. Je me suis donc rendu chez mon meilleur ami, qui s'y connaît 100 fois plus que moi en hardware. On a prévu ensemble tout ce qu'il fallait acheter. Alim, carte mère, boîtier, c'est principalement ça, et système de refroidissement, donc un bon gros ventirad à 100, je sais plus combien on a pris, il devait coûter 140 ou 150€, et on a fait livrer ça chez lui, je me suis rendu chez lui avec ma bouse,
Et on a démonté la bouse à coup de tatane, on a récupéré le processeur, on n'a même pas donc récupéré la mémoire, oui c'est vrai, il a fallu acheter la mémoire aussi. Donc maintenant je suis passé de 8 gigas à 2 barrettes de 8, donc 16 gigas DDR4, c'est vachement mieux. Et on s'est fait un week-end, enfin on s'est fait 2 jours de remontage, et Dieu des ordinateurs avec moi, il a suffi de remettre les disques durs de mon ancien ordinateur sur le nouveau, et il a tout reconnu comme en 40. Pas eu besoin de réinstaller quoi que ce soit. Il s'est réveillé comme s'il était à la maison. Juste ajouter un ou deux drivers par sécurité, puisque techniquement la carte mère avait quand même changé. C'était pas un modèle supra éloigné, mais ça avait changé, donc on a mis les drivers à jour. Mais mis à part ça, honnêtement, on aurait dit que tout ça avait vécu dans cet ordinateur-là. Je me suis donc ramené à la maison avec un nouveau boîtier, bien aéré, bien ventilé, avec plus de disques durs, puisque je mettais dans l'ancien ordinateur, donc dans celui tout plat, bah, des disques durs, il n'y avait pas la place d'en mettre. Un, il n'y avait pas les prises pour brancher, et deux, il n'y avait juste pas la place, physiquement. C'est-à-dire que j'avais rajouté un SSD, le SSD il se baladait dehors au bout d'un fil, parce qu'il n'y avait pas la place de le mettre dedans. Donc là, j'ai trouvé de la place. Donc j'ai craché tous les disques durs que j'ai récupérés chez des clients parce qu'ils n'en voulaient plus, qu'ils en avaient trop. Donc des disques durs de 2 Tera à l'appel, et je les ai tous gentiment placés dans l'ordinateur. Il n'y a pas si longtemps, à l'époque où j'enregistrais une vidéo, eh ben, OBS Studio enregistrait ça sur l'équivalent de disque dur externe en USB 3, que je branchais via un rack. Vous savez, j'avais acheté un rack dans lequel on enclenche les disques durs, comme ça je pouvais changer de disque dur. Et dans un des disques durs, celui qui vivait presque quasiment dans le rack, il y avait tous les enregistrements d'OBS Studio. Bon, ben là maintenant, c'est un disque dur qui est dans l'ordinateur, qui bouge pas. C'est aussi un petit peu soulageant, quoi. J'ai pas jeté le rack, hein. Un rack c'est toujours quand même super utile, mais concrètement parlant, maintenant sur cet ordinateur là, j'ai de la place à plus savoir qu'en faire. Corollaire immédiat de ce changement, puisque maintenant j'ai la ligne qu'il faut, on a pris une 700 watts ou 750 watts, je sais plus, enfin largement plus que ce qu'il faut. Puisque maintenant j'ai la ligne qu'il faut et la carte graphique qu'il faut, deux fois plus par rapport à avant, et que je m'étais acheté quand même une sacrée ribambelle d'écran 144 Hz, ah bah du coup j'ai rapatrié mes 144 Hz sur le nouvel ordinateur. J'ai enfin retrouvé le dual screen. Je vous rappelle qu'à l'époque j'avais dû installer à côté de l'ordinateur un deuxième ordinateur pour accueillir Discord et aller sur internet, mater YouTube, ce genre de conneries. J'avais deux PC, il fallait que je les allume les deux pour soulager le premier. Bon, mais maintenant que j'ai un beau bébé, il va tout reprendre. Donc j'ai rapatrié Discord, j'ai rapatrié le Blue Yeti sur l'ordinateur principal. Maintenant je peux monitorer ça avec le deuxième écran qui est à côté. Les deux sont 144 Hz. Il n'y a ni clignotement, ni écran noir, ni mouvement bizarre de quoi que ce soit. Ça marche bien en fait. Ça marche comme ça aurait toujours dû marcher si j'avais pas acheté cette merde en 2016. En gros. Et je me suis autorisé de passer de 1920 par 1080 à 2560 par 1440. Sur les deux écrans. C'est beaucoup plus vaste. Alors c'est un peu space. La première fois que vous le faites, quand vous le ferez, si vous le faites, c'est un peu space parce qu'en fait, vous sentez bien que beaucoup de programmes, beaucoup de choses que vous récupérez sont pas dimensionnés pour autant de pixels de large et de haut, et du coup apparaissent vraiment tout petit, 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 petit. C'est-à-dire qu'il faut souvent aller soit dans les options pour agrandir la taille de tout ça, parce que sinon vous allez perdre un œil, soit vous y connaître un petit peu en C++ et aller trifouiller dedans, pour créer des options qui n'existent pas. Je me suis retrouvé avec ce bureau magnifique, et ça fait un moment que je me disais ça serait bien que je me fasse une HUD personnalisée avec vraiment tout ce que je veux sous la main,
de fonctions, d'informations, et je me suis fait ça. Voilà. Je me suis trouvé un fond d'écran plutôt sympathique, et je me suis amusé à l'habiller, on va dire, comme suit. Vous voyez qu'en fait, sur la partie qui est à gauche, il y a une rampe en bas, il y a un dock, avec des raccourcis vers les trucs qui me parlent à moi, bien sûr. Hein. Alors, oui, il y a du Firefox, oui, il y a de l'OBS, il y a du Discord, il y a du Lotro, il y a du LOL. Et techniquement, je mets les icônes que je veux, puisqu'en fait, les icônes que je veux, je les crée. Voilà, je me suis fait un fichier sous Photoshop avec un modèle de base, et il suffit que j'importe n'importe quel logo, et j'ai de suite le style pour le colorier, l'enregistrer, le rajouter, et augmenter la barre comme j'en ai envie. Là, actuellement, elle est très bien comme elle est. Je me suis mis juste à côté une horloge. Et les deux bulles, là, c'est les heures et les minutes. Elle a une petite particularité, cette horloge. C'est qu'en fait, elle est tout le temps au premier plan. C'est l'horloge que je veux quand je joue. Quand je joue, je veux avoir sous l'œil quelle heure il est. Parce que je perds très facilement la notion du temps quand je joue. Et parfois, j'ai des choses à faire à certaines heures. Et il faut que j'ai ce reminder sous les yeux en permanence. Donc, c'est tout le temps au premier plan. Alors, j'ai fait attention de la placer dans des endroits qui ne gênent pas les jeux auxquels je joue. Hein. L'autre, ça passe à travers l'interface. League of Legends, ça passe aussi à travers l'interface. Voilà. En plus, elle est, vous voyez qu'elle est super soft. Franchement, elle se fond dans le décor. Alors, j'ai dû la travailler un petit peu, puisque le widget d'origine où je l'ai tiré n'était pas du tout dans ce style là, de cette taille là, elle n'avait pas ce look là. Donc j'ai complètement refait l'intégralité, j'ai gardé que le code au final. J'ai complètement réhabillé et du coup elle se fond dans le décor, c'est très très agréable. On clique au travers, donc je peux pas accidentellement la déplacer, cliquer dessus, un clic droit n'a aucun effet. Le seul moyen d'aller la modifier, c'est d'aller dans les options même du programme qui gère tous les widgets. Sur la partie de droite qui sert au monitoring, alors, il y a un grand espace libre, je voulais vraiment qu'elle soit très éclaircie, et je me suis fabriqué, et là pour le coup je me suis fabriqué, j'insiste parce qu'en fait j'ai vraiment récupéré des widgets qui auraient pu aller mais qui en fait n'allaient pas du tout pour X raisons. Des raisons de taille, des raisons de couleur, des raisons d'apparence, des raisons de façon de gérer l'information, des raisons d'options inexistantes. Et j'ai passé à peu près 4 jours à tout dépiauter, à tout réécrire, à tout tester pour être sûr que l'interface soit ce que moi je voulais. Vous pouvez voir que en gros, j'ai l'utilisation de ma mémoire. C'est la moins retouchée de toutes. Hein. Je me suis juste amusé à modifier les couleurs parce que en termes de contraste c'était mieux ça. En dessous vous avez les process qui utilisent actuellement mon processeur. C'est un truc qui existait, enfin c'est un truc que j'ai récupéré sauf qu'il était vraiment dimensionné pour un ordinateur je pense portable, en tout cas très classique. Donc il a fallu que je réécrive tout et que je rééquilibre visuellement tout pour que ça prenne un petit peu de place, que ça soit lisible, etc. C'est pas encore le plus compliqué en soi. Il y a une horloge avec la journée, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, en dessous, j'ai tous mes disques durs. C, D, E, F, H, I, me demandez pas où est passé G, il n'a pas voulu se placer, je crois qu'il est réservé pour une clé USB, si j'ai bon souvenir. Non, je sais. C'est pas réservé pour une clé USB, c'est là que j'ai branché l'adaptateur. En fait, j'ai un boîtier avec plein de formats de cartes mémoire dedans. Et je pense qu'il a dû gentiment piquer la place G, celui-là. Donc, CDEFHI, avec leur contenu, leur capacité. Et si jamais je clique sur les lettres, ça m'ouvre directement l'explorateur dans le répertoire concerné. Ça a été un peu chiant à faire, mais voilà, c'était pas d'une complexité folle. L'espèce de rond complètement à droite, c'est la corbeille. Vous voyez, donc ça me dit combien de fichiers j'ai, combien ils pèsent. Je fais un clic droit pour le vider, un clic gauche pour ouvrir.
C'est quand même plus sympa que la petite corbeille à papier de bureau classique. Et là où j'en ai chié, en fait, c'est le petit bouton qui se trouve juste en dessous de la date. Voilà, c'est un bouton pour arrêter l'ordinateur. Alors, ça n'a pas l'air compliqué dit comme ça. Le bouton que j'ai récupéré, il avait une particularité qui me plaisait bien. C'est qu'en fait, quand vous mettez la souris dessus, vous pouvez choisir 1 heure, 2 heures ou 3 heures d'attente avant que l'ordinateur s'éteigne. C'est pratique quand, par exemple, je sais pas, vous lancez votre antivirus, vous avez juste pas envie d'attendre qu'il finisse, mais vous savez que ça va prendre une demi-heure. Ben, vous mettez 1 heure, vous vous cassez, et dans 1 heure, l'ordinateur va s'éteindre. Je trouve ça plutôt cool. Le problème du widget en question, c'est que malheureusement, il n'acceptait pas 0. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas l'utiliser pour éteindre l'ordinateur là, maintenant, de suite. Donc, je fais une petite modif, du coup, il accepte 0. Et le problème maintenant, c'est que comme il accepte 0, si vous cliquez dessus, accidentellement, ben boum, l'ordinateur s'éteint. Il me fallait rajouter un délai d'attente avant qu'il crée la commande. Donc, vu qu'il y a beaucoup de fonctions dedans et que c'est pas moi qui l'ai créé, il a fallu que je remonte un peu le fil de comment le gars il a fait son bouton pour arriver à comprendre comment arriver à rentrer un petit délai de 5-6 secondes, histoire que si je clique sur le bouton et que l'ordinateur lance l'extinction, et que c'est complètement accidentel, j'ai 4-5 secondes pour recliquer dessus et annuler l'extinction. Et ça, j'aime beaucoup le principe. Sur la plupart des ordinateurs, quand vous avez cliqué sur arrêter ou redémarrer, et que c'était pas ce que vous vouliez faire, eh ben tant pis. C'est assez complexe d'arriver à arrêter la manœuvre. J'apprécie d'avoir sur le bureau un bouton qui me permet d'arrêter, mais qui me permet de revenir en arrière si arrêter n'est pas ce que je voulais. Et c'est pareil pour le compte à rebours, si vous mettez 1 heure ou 2 heures. Si en cours de route, vous changez d'avis, il suffit de recliquer sur le bouton et ça annule l'arrêt. Plutôt agréable. Voilà, mon bébé est en place en termes d'utilisation, en termes de HUD, complètement malléable. J'aime beaucoup le rendu final, très agréable pour les yeux aussi. Que dire de plus là-dessus? Je pense que j'ai fait le tour. HUD, écran, ordinateur dans son ensemble. Je vous en ai parlé un tout petit peu. J'ai acheté cette multiprise. Voilà, si vous pouvez, faites-le, franchement. Plutôt que de vous courber en 4 pour aller sous le bureau pour rentrer votre carte mémoire, c'est quand même plus sympa d'avoir ça directement sous la main. Petit bonus. Derrière le mien, j'ai collé un aimant. Comme mon bureau a des pieds en métal et que ce sont des pieds plats avec des angles, mais du coup je peux coller ce truc qui est aimanté, donc je peux l'aimanter où je veux, où j'en ai besoin, donc il ne traîne pas par terre, il ne traîne pas sur l'ordinateur. Je peux même le poser sur l'ordinateur, puisque l'ordinateur est en métal et que le truc est aimanté. Comme magique. Sinon à part ça, madame la marquise, pas grand chose de plus. Il y a un troisième écran 144 Hz sur le côté et j'ai eu du bol. J'ai eu du bol parce que la carte graphique à l'intérieur accepte de faire du 142 Hz. 144 elle peut pas, elle est beaucoup trop vieille. J'en profite pour passer le message si vous ne vous y connaissez pas et que vous êtes tenté par l'aventure du 144 Hz. Deux alertes pour vous. La première, c'est que si vous branchez votre ordinateur et que vous ne faites rien de plus, il y a 9 chances sur 10 qui se mettent en 60 Hz. Que l'ordinateur se mette en 60 Hz. Il faut de temps en temps, assez souvent, manuellement, aller lui dire de se mettre en 144. Il y a plein de tutos sur Internet, hein. Je ne vais pas vous faire un tuto sur... Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez passer ordinateur 144 Hz et vous allez trouver. La deuxième, vous ne passerez pas en 144 Hz avec tous les câbles qui relient les écrans aux ordinateurs. Si le câble qui relie votre écran, c'est un câble bleu en forme de trapèze, c'est du VGA. N'essayez pas. En DVI, c'est pas impossible que vous puissiez. En HDMI, c'est la roulette russe. Si vous avez un vieil HDMI... Si vous avez un vieil HDMI tout pourri, ça ne passera pas, vous arrêterez à 120.
si vous avez un HDMI efficace et un bon câble, vous arriverez à avoir du 144 apparemment. Moi, personnellement, bah vous voyez, l'ordinateur à côté est en HDMI, je suis en 142. Si je passais en DisplayPort, qui est le quatrième, ça marcherait peut-être, sauf que DisplayPort, toutes les cartes n'ont pas du DisplayPort, surtout les anciennes, et la vieille que j'ai sur le côté, elle, par exemple, n'en a pas. Donc d'ici à ce que je tombe sur une carte d'occasion qui fait du DisplayPort et que je la change, je vais devoir vivre avec cette config un petit peu bâtard. Et c'est l'interrogation que j'ai pour l'ordinateur qui est derrière moi, le petit coco là, parce qu'en fait, lui, il est très vieux. Il est très historiquement, il est super vieux. J'étais encore sur Paris quand je l'avais. C'était mon ordinateur de boulot, mais il y a très longtemps. Lui, je sais que la carte graphique, c'est pas la peine de lui expliquer que 144 Hz ça existe. Donc quelque part, c'est pas encore la peine que j'achète un autre écran à 300 boules pour lui mettre dessus pour découvrir qu'il ne peut faire que du 60 à cause de la carte graphique. Voilà, donc je vais d'abord attendre de trouver de belles occasions de cartes graphiques à gauche, à droite ou chez des clients. Là, j'en ai une en vue dans pas longtemps. À mon avis, celle-là, elle va tomber chez Bibi. Et du coup, je réfléchirai peut-être à changer l'écran derrière. C'est la station de montage. C'est pas que c'est inutile, mais de tous les écrans que j'avais à changer, c'est un peu le dernier. Et c'est un peu le fameux changement dont je vous parlais qui arrivera plus tard. Pour l'instant, je me nique encore les yeux quand je fais du montage vidéo. J'essaye d'être rapide. De faire des pauses pour pas me reprendre des migraines ophtalmiques, mais voilà, pour l'instant j'ai pas trop le choix. Compte tenu de la carte graphique, compte tenu de l'écran, je peux pas trop faire mieux. Et encore, j'ai mis dessus l'ancien écran que j'avais sur mon ordinateur de jeu, qui m'a pas trop abîmé les yeux au fil du temps. Cet écran là doit être d'une qualité acceptable, ou alors je m'y suis vraiment habitué. Parce que même les écrans neufs sur 75 Hz que j'ai acheté entre temps, et que je n'utilise pas, plein l'armi si vous voulez, ont fini par me niquer les yeux. Celui-là, est-ce qu'il est particulièrement doux? Je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai assez confiance en lui, et c'est pour ça que je l'ai mis sur la station de montage, temporairement. Et ce sera donc mon dernier changement. Sinon, ces fameux écrans 75 Hz que j'ai acheté, qui sont neufs, ils ont moins d'un an, et qui n'ont aucune utilité, et ben en fait je les ai mis sur l'ordinateur de mon conjoint juste à côté. Quand même, là à 2 mètres de moi, j'ai un i5 avec une GTX 960, 16 Go de RAM, deux écrans 32 pouces. Pas dégueu, hein. Pas dégueu, hein, pour faire du Vermintide, c'est pas mal, ça s'éclate. Alors, je l'aurais bien utilisé, je parle de ma vie, mais bon, je l'aurais bien utilisé moi personnellement, j'avoue. Il a qu'un seul souci, c'est qu'en fait, le client chez qui je l'ai récupéré, sa carte réseau est morte, donc il est en Wi-Fi, et il y a des choses que je ne peux pas faire en Wi-Fi. C'est pas possible, mais cet ordinateur a plein de programmes parfaitement légaux dedans qui ont coûté la peau du cul, que le mec m'a filé avec son ordinateur, que je garde donc dans un coin pour pouvoir les utiliser de temps en temps. Voilà. Sinon, pour finir, au niveau programme, je me suis mis à VoiceMeter. Alors, vieux de la vieille, hein. Virtual Cable et VoiceMeter, vous trouverez 20 000 tutos vous expliquant comment ça marche. J'en avais pas pris l'utilité jusqu'à ce que je rassemble à nouveau Discord et les jeux auxquels je joue sur un même ordinateur, et que j'éprouve à travers OBS le besoin de séparer les pistes audio venant de Discord, les gens qui parlent, et du jeu, pour pouvoir éventuellement couper la voix de quelqu'un qui parle, parce qu'il dit quelque chose que vous n'avez pas à savoir, par exemple, sans couper complètement le son du jeu. Si vous avez quelques doutes, franchement, allez-y. C'est d'une simplicité d'utilisation enfantine. Il y a 20 000 tutos qui prennent 4 minutes, qui vous expliquent comment faire, pour séparer simplement un son d'un autre. Je ne vous parle pas d'aller dans la trituration des options et la configuration du logiciel. S'installer en deux temps trois mouvements, ça ne souffre ni accident, ni publicité, ni rien. J'ai pas encore vu de défaut à ça.
Voilà, VoiceMeeter se lance directement au démarrage de l'ordinateur. C'est... J'ai l'impression que, quelque part, en fait, il s'insère entre votre ordinateur et vos enceintes, récupère plein de pistes et il les fait toutes cracher dans les enceintes parce que c'est mon cas, mais on m'a gentiment expliqué que si je voulais, par exemple, j'aurais pu faire cracher Discord dans mon casque, ou alors le son du jeu dans mon casque et Discord que dans les enceintes, etc. etc. J'aurais pu mélanger ça comme je voulais. Il se trouve que là, présentement, ce que je voulais, moi, c'était pas mélanger Discord, pas mélanger le jeu et pas mélanger le micro. Et au final, j'ai ce que je veux. Voilà mes petits cadavres, rien de plus sous le soleil. Et puis, sacré soleil, je suis en train de cuire, pour être honnête. Je vais donc de ce pas me mettre à moitié à poil, allumer League of Legends et aller voir si Ned est là. Salut les cadavres! Oups, j'ai failli oublier l'achat de l'année. La meilleure idée que j'ai jamais eue. Ceci. Alors ça c'est génial. Ça franchement... Si vous avez moyen, c'est pas cher et c'est juste génial. Ça accompagne le bras, c'est réglable en hauteur. C'est un soulagement de folie. Alors le seul petit souci que j'ai eu avec, c'est que les accoudoirs de mon fauteuil étaient un peu grands, puisqu'ils touchaient le bord. Et j'ai pris une scie et j'ai scié les accoudoirs de ma chaise. Court. Et j'ai acheté des protèges accoudoirs élastiques qu'on met dessus, qui font exactement la bonne taille, qui sont très confortables, qu'on peut laver aussi, ouais, on peut les enlever et les laver sans avoir à enlever des agrafes ou aller savoir quoi. Ils sont pas en sky, donc ils finissent pas par partir en vrille. Et voilà, honnêtement, l'un et l'autre, si vous avez moyen, je vous promets, essayez ça, franchement, ça vaut le détour.